t'agacé. Alléluia. Glorifions le nom du Seigneur avec nos acclamations. Let's glorify the name of the Lord with our clap offering. Alléluia. Glory to the Lord. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Et on salue tous au nom de Jésus-Christ. I greet you all in the name of Jesus Christ. Nous commençons notre conférence aujourd'hui. We are starting our conference today. Une très grande conférence. A very great conference. Très grande, et pourquoi? Parce que Dieu lui-même est grand. Amen. Great, why? Because God Himself is great. Très grande, parce que des révélations grandes vous seront confiées. Great, because great revelation will be given to you. Très grande, parce que des grands miracles seront opérés dans vos vies. Great, because great miracles will be accomplished in your lives. Très grande, parce que Dieu va parler particulièrement à chacun de vous. Great, because God will speak in a special way to each of you. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci prophète Maxin. Thank you prophet Maxin. Pour cette opportunité. For this opportunity. Que tu nous offres encore. That you offer to us again. De parler de la part de Dieu. To speak on behalf of God. D'emblée déjà je voudrais vous dire une chose. I want to tell you first of all. Que la conférence. That the conference. Est différente. Is different. D'une croisade. From a crusade.
Amen. Sauf que dans une conférence, now, in a conference, l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, agit, moves, à travers les enseignements, through teachings. Amen. Les enseignements sortent, teachings come out, et les miracles suivent, and miracles follow. C'est bon. I like this. This is good. Amen. 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 Balancez votre main, dites amen. Wave your hand and say amen. Je vois très bien. Follow carefully. Cette conférence, this conference, est tenue par des prophètes et des apôtres. Is led by prophets and apostles. Cela veut dire quoi? What does that mean? L'esprit prophétique. The prophetic spirit. Va opérer du début à la fin. Will operate from the beginning to the end. Et il va opérer sous deux formes. And it will operate in two ways. Sous la forme de l'écriture. In the way of the scriptures. Et sous la forme de la parole parlée. In the word of the spoken word. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle. Now this is why. Vous devez être sensible à la parole de Dieu. We need to be sensitive to the word of God. La Bible dit. The Bible says. Jésus était entré dans une maison. Jesus walked into a house. C'était la maison d'un certain pharisien. It was the house of a Pharisee. Et il enseignait. And he taught. On dit pas il prêchait. They don't say that he was preaching. Il enseignait. He was teaching. Amen. Et la Bible dit. And the Bible says. Et la puissance de Dieu. And the power of God. Se manifestait. Was manifested. Par des guérisons et des miracles. Through healings and miracles. Amen. Donc. So. Dans l'enseignement. In the teaching. Il y a le pouvoir de guérison. There is a power of healing. Il y a le pouvoir de miracles. There is a power of miracles. Retenez ce que je dis. Je n'ai pas commencé. Remember what I'm saying. I have not started with my preaching yet. Dieu est assis sur son trône. God is seated on his throne. Il n'entre pas en transe. He does not shake. Mais il est posé sur le trône. He is quiet on the throne. Mais quand il parle, but when he speaks, la chose se réalise. The thing comes to pass. Mais il est posé. He is still. Il n'est pas agité. He is not shaking. Non. Mais no. He is mais still. Quand il parle, but when he speaks, les choses s'opèrent. Things operate. Amen. Le thème de cette conférence. The theme of this conference. Parle, Seigneur. Speak, Lord. Ton serviteur. For your servant. Écoute. Is listening. Si vous regardez déjà les thèmes. If you look at the theme alone. Il y a deux concepts. There's two concepts. Qui sont dans les thèmes. That are in that theme. Il y a le concept de parler. The concept of speaking. Et le concept d'écouter. And the concept of listening. Comment Dieu parle. How does God speak? Et comment écouter Dieu? And how do you listen to God? Ce sont là deux grandes choses. Those are two great things. Qui font que quelqu'un that allow someone ne soit pas un chrétien de nom. To not be a Christian just by name. Mais qu'il soit un chrétien. But be a Christian qui vit la parole de Dieu. That lives the word of God. Parce que entendre Dieu n'est pas facile. Because to hear God is not easy. Pas facile d'entendre Dieu. It's not easy to hear God. Et si tu as entendu Dieu. And if you heard God. Amen. Amen. Tu es heureux. You are blessed. Amen. Parce que ce que Dieu dit. Because what God says. Donne la direction. Gives direction. Donne l'orientation. Give orientation. Révèle ce qui doit arriver. Reveal what is to happen. Donne la position. Give position. Alors pour entendre. So to hear. Ce que Dieu dit. What God says. C'est une grâce. It's a grace. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. That's why we need the Holy Spirit. Pour réveiller notre entendement spirituel. To awaken our spiritual understanding. Que nous puissions saisir. So we may seize. La révélation de la parole de Dieu. The revelation of the word of God. Afin que nous soyons capables. So we may be able. De saisir également. To seize also. Les résultats. The result. De cette parole. Of that word. Amen. Amen. Retenez. Remember. Par le Seigneur. By the Lord. Ton serviteur écoute. Speak, Lord, your servant is listening. La parole de Dieu. We're talking about the word of God. Qui doit sortir de lui. That needs to come out of him. Un émetteur. The one who sends. Il y a un récepteur. Then there must be a recipient. L'émetteur c'est Dieu. Now the sender is God. Le récepteur c'est l'homme. And the recipient is man. Il faut faire attention. We need to be careful. Parce que quand vous êtes en train d'ouvrir ou d'allumer une radio. Because when you turn on a radio. Vous pouvez tomber dans une autre fréquence. You can fall into a different channel. Tomber dans une autre fréquence. You can pick a different channel. Vous pensez que c'est la CNN. And you think you're watching CNN. Et pourtant vous êtes dans une autre fréquence d'une radio quelque part. But it's a channel that somewhere. Qui n'est pas CNN. But it is not CNN. Mais quelque chose va te faire comprendre. But something will make you understand. Que ce n'est pas CNN. That it's not CNN. Peut-être seulement le langage. Maybe the language.
Seulement le ton. Maybe the tone. L'expression. The expression. Tu vas dire en tout cas ça. You're gonna say this right here. Ça c'est le Nigeria, ça c'est le. This is Nigerian radio. This is not CNN. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que. That is how. Dans le monde spirituel. In the spiritual realm. Nous avons trois paroles. We have three words. Donc la parole de Dieu. The word of God. La parole du diable. The word of the devil. Et la voix de l'homme. And the voice of man. Ce sont trois fréquences. These are three frequencies. Trois fréquences. Three frequencies. Il y a des fois. There are times. Dieu parle. God speaks. Et si tu ne captes pas sa parole, now if you don't catch the word, tu peux tout rater. You can miss it all. Il y a des moments, and there are moments, où le diable parle. Where the devil speaks. Il parle dans ta pensée. He speaks in your mind. Il parle dans ton cœur. He speaks in your heart. Et si tu ne sais pas discerner, if you don't know how to discern, que ça ce n'est pas Dieu, that this is not God, ça c'est le diable, that this is the devil, tu tombes dans une mauvaise voie. You will fall onto the wrong path. Il y a des moments. There are times. Ce n'est pas Dieu. It's not God. Ni le diable. Not the devil. Mais tes propres pensées. But your own thoughts. Et si tu n'as pas le discernement. If you do not have the discernment. Pour savoir que ça. To know that here. Ce n'est ni Dieu. It's not God. Ni le diable. Not the devil. Ce sont mes propres pensées. It's your own thoughts. Tu vas tomber dans une mauvaise fréquence. You're gonna fall into the wrong path. La parole qui fait des miracles. The word that does miracles. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. La parole qui change. The word that changes. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Alors ce soir. So tonight. J'étais en train de réfléchir. I was thinking. Enseigner. Teaching. Comme dans une école. As I was in a school. Comme on fait dans les conférences des pasteurs. Like you do at pastor conferences. Ou bien. Or. Balancer les choses. Just go ahead with things. J'ai compris une chose. And I understood one thing. Dans cette conférence, in this conference, il y a deux désirs. There are two desires. Il y a un désir de la connaissance. The desire of the knowledge. Il y a un désir de toucher de Dieu. And the desire of the touch of God. Amen. Amen. La connaissance doit entrer. The knowledge must go in. Parce que te donnera la possibilité. It will give you the possibility. De vivre la puissance de Dieu pour un long. To experience the power of God terme. For a long term. Amen. Amen. Et le toucher de Dieu. Now the touch of God va t'aider. Will help you à recevoir le miracle sur place. To receive the miracle on the spot. Amen. Amen. Alors, je vais te conseiller une chose. So I'm going to give you an advice. Pendant que je vais commencer à enseigner. As I begin with the teaching. Ne permets à personne. Allow no one. De te distraire. To distract you. Deuxièmement. Secondly. Toi-même. You yourself. Ne sois pas ta propre distraction. Don't be your own distraction. On va ouvrir nos Bibles. Let's open our Bibles. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Isaiah 55, 10 to 11. On peut se lever un peu, s'il vous plaît. Can we stand, please? Ésaïe 55. Isaiah 55. Verset 10 à 11. 10 to 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Isaiah 55, 10 to 11. Ma sœur, lis-nous directement. My sister can read it. For as the rain comes down and the snow from heaven and returns not tighter, but waters the earth and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word that goes forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereso I send it to. Amen. 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 You may be seated. Ça, c'est merveilleux, ça. This is wonderful. Alléluia. Alléluia. Comme la pluie et la neige. As rain and snow. Descendent des cieux. Comes down from heaven. Ce qui est spécial. You know what's special? C'est que la pluie. Is that rain. Descend des cieux. Comes down from heaven. Mais avant la pluie. But before rain. Il y a une action qui part de la terre. There's an action that comes from the earth. C'est l'évaporation. Evaporation. Amen. Amen. Quand l'évaporation monte. When the evaporation goes up. Après un temps. After a time. Les cieux s'obscurcissent. The heaven will be darkened. Les cieux s'obscurcissent. The heaven will be darkened. C'est pourquoi. Now this is why. Je vais vous montrer. I'm going to show you. Amen. Amen. La pluie qui va tomber. The rain that's going to come down. Va être provoqué par la terre. It needs to be provoked from the earth. C'est qui provoque la pluie. And what provokes the rain?
Et c'est ta foi. It's your faith. Alléluia. Alléluia. Et comme la pluie and as rain et la neige and snow descendent des cieux comes down from heaven et n'y retourne pas sans avoir arrosé and does not go back without watering souligné underline arrosé watering deuxièmement secondly fécondé make fruitful la terre the earth troisièmement fait germer les plantes. Give seed to the soil. Bring forth the seed. Quatrièmement. Fourth. Donner de la semence au semeur. Give seed to the sower. Cinquièmement. And then fifth. Du pain à celui qui mange. Bread to the eater. Ainsi en est-il de ma parole. So shall my word. Qui sort de ma bouche. That comes out of my mouth. Et ne retourne point en moi. Shall now return unto me. Sans effet. Void. Sans avoir exécuté ma volonté. Without accomplishing my will. Et accompli mes desseins. And accomplish my desires. Je vais parler sur la puissance de la parole de Dieu. I'm going to talk about the power of the word of God. La puissance de la parole de Dieu. The power of the word of God. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Isaïe fut un prophète. Isaiah was a prophet. Un grand prophète. A great prophet. Il est le prophète majeur. He's one of the major prophets. C'est le prophète qui a prophétisé la naissance de Jésus. The prophet who prophesied the birth of Jesus. Plus de 500 ans avant. 500 years before. Jésus n'était même pas encore dans la tête. Jesus was not in the mind of the living. Isaïe a vu au-delà plus but de 500 ans. Isaiah saw 500 years ahead. Il dit ceci. And he said this. Un enfant nous est né. A child is born unto us. Un fils nous est donné. A son is given unto us. On l'appellera. He will be called. Prince de paix. The Prince of Peace. Il a parlé de Jésus. He spoke about Jesus. Ce n'est pas n'importe quel prophète. He was not just a mere prophet. C'était un prophète puissant. He was a powerful prophet. Et Dieu vient vers Isaïe. And God comes to Isaiah. Pour lui révéler. To reveal to him. Ce que la parole de Dieu. What the word of God est capable de faire. Is capable to do. Dieu dit à Isaïe. God says to Isaiah. Isaïe. Isaiah. Observe la nature. Observe the nature. Quand la pluie tombe. When rains come down. Quand la neige tombe. When snow falls down. La pluie n'a pas seulement l'objectif. The rain does not just come. N'a pas la mission. It does not just have the mission. Seulement. Just. De pouvoir mouiller les gens. To wet people. La neige. Snow. N'a pas seulement l'objectif. Does not just fall. De faire que les gens aient froid. For people to feel cold. La pluie et la neige. Rain and snow. Sont des missionnaires célestes. Are heavenly missionaries. Ce sont des missionnaires célestes. Heavenly missionaries. Envoyés sur la terre. Sent on earth. Avec un objectif. With a purpose. Premier objectif. First purpose. Arroser. Water. Arroser. Water. Cela veut dire quoi? So what does that mean? Dans un endroit où in a place where il n'y avait plus la joie. There was no more joy. Il n'y avait plus la tranquillité. No more peace. Il n'y avait plus la joie de vivre. No more the joy of living. Tout était sec. Everything is dry. Quand elle descend. When it comes down. La pluie descend. The rain comes down. Elle arrose d'abord. It waters first. Amen. Deuxièmement. Secondly. Quand la pluie tombe. When the rain falls, la Bible dit, the Bible says, et Dieu fécondé, it comes to make fruitful. Ça veut dire quoi? So what does that mean? Si l'endroit, if the place, était stérile, was barren, si l'endroit, if the place, ne produisait rien, was not producing, si l'endroit, if the place, ne donnait rien, was not giving anything, quand la pluie tombe, when the rain falls, elle fertilise le sol, it fertilizes the soil. Donc la parole de Dieu, so the word of God. A la puissance has the power de fertiliser les choses. To fertilize things. C'est pourquoi this is why même les stériles even peuvent enfanter. The barren can give birth. Parce que la parole de Dieu because the word of God makes fruitful. Elle féconde. It makes fruitful. Amen. Troisièmement. Third. Quand la pluie tombe. When the rain falls. La Bible dit. The Bible says. Elle fait pousser les plantes. It makes the plant grow. Ça veut dire quoi? So what does that mean? Quand Dieu parle. When God speaks. Sur une personne. Over a person. Dieu doit les faire sortir de l'anonymat. God makes, takes them right. Out of not being known. Amen. Il doit faire que tu sois visible. He makes you visible. Il doit te manifester. He manifests you. Parce que. Because. Quand la semence est encore sous la terre. When the seed is still under the ground. Personne ne peut la voir. No one can see it. Mais tout le monde va constater. But everybody will notice. Quand ça devient un arbre. When it becomes a tree. La parole de Dieu. The word of God. A un objectif. Has a purpose.
dans la vie des gens, in the lives of people, pour les faire sortir de l'anonymat, to take them out of the hidden place, yes, et les faire présenter, and present them, et les faire voir, and show them off. En d'autres termes, in other words, quand personne ne te connaît, when no one knows you, tu n'as aucun respect. You have no respect. Le respect commence. The respect begins quand on te découvre. When they discover you. That's right. It means la parole de Dieu, the word of God, a la capacité, has the capacity et la puissance, and the power de faire que toi, to allow you, qui était humilié, who was humiliated, ridiculisé, made fun of, moins honoré, dishonored, elle peut faire de toi, can make of you, un homme honorable, an honorable man, sur la terre, on earth. Amen. Quand la pluie tombe, when rain falls, la Bible dit, the Bible says, elle vient, it comes, pour donner la semence, to give the seed, au semeur, to the sower. Ça veut dire quoi? So what does that mean? La parole de Dieu, the word of God, est capable, is capable, de te donner, to give you, le moyen, the means, à partir de rien, from nothing. That's right. Amen. Amen. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train de faire des. I haven't started my preaching yet. I'm just doing my introduction. We're gonna start. Et la Bible dit. And the Bible says. Quand la pluie tombe. When rain falls. Elle donne du pain. It gives bread. Pour celui qui veut manger. To the eater. Vraiment, nous sommes en Amérique. Now here we are in America. Prenons ça naturellement. Let's take it physically. La pluie était tombée les jours passés. Rain fell just a few days ago. Qui a ramassé le pain dans sa partie? Who picked up bread outside in their lot? Mais la Bible dit, but the Bible says, quand la pluie tombe, when rain falls, elle donne du pain, it gives bread, à celui qui doit manger, to the eater. C'est-à-dire la parole de Dieu, it means the word of God, a le pouvoir, has the power, et la puissance, and the might, de produire les choses, to produce things, dont tu as besoin, that you need. Amen. La parole de Dieu, the word of God, a la puissance, has the power, de produire les choses, to produce the things, dont tu as besoin, that you need. Amen, église. Amen, church. Amen, église. Amen. Un jour, Jésus-Christ s'est levé. One day, Jesus rose. Il dit ceci. He said this. Je suis le pain de vie. I am the bread of life. Celui qui me mange, whosoever eats me, n'aura plus jamais faim, will no longer hunger. Le diable vient. The devil comes. Courageux qu'il était. As courageous as he was. Il vient tenter Jésus. He comes to tempt Jesus. Dans le désert. In the wilderness. Là nous sommes dans Matthieu 4:4. Matthew 4:4. Et il parle à Jésus. And he speaks to Jesus. Si tu es fils de Dieu. If you are son of God. Change cette pierre en pain. Change this stone into a bread. Jésus dit à Moïse. Jesus said to the devil. L'homme ne vivra pas. Man shall not live. De pain seulement. But bread alone. Mais de toute parole. But of every word. Qui sort de la bouche de Dieu. That comes out of the mouth of God. Il dit, he says, qu'il est le pain de vie. That he is the bread of life. Celui qui le mange, whosoever eats him, n'aura plus jamais shall no longer hunger. Devant les diables, now in front of the devil, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Man shall not just live by bread alone. Mais de toute parole, but of every word qui sort de la bouche de that Dieu. Comes out of the mouth of God. Donc le pain, so bread, c'est la parole. Is the word. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci. And then he says this. Et celui qui mange, whosoever eats me, ce pain, this bread, n'aura plus jamais faim, will no longer hunger. C'est-à-dire quoi? So what does that mean? La faim, hunger, prend faim, stops, quand on découvre le pain, when you discover the bread, quand on reçoit le pain, when you receive the bread. Oh, la faim, now hunger, c'est un problème, it's your problem, ce sont tes besoins, it's your needs, tes difficultés, your difficulties, toutes les difficultés, all difficulties, peut s'arrêter, must stop, quand tu découvres, when you discover, la parole, the word, qui correspond, that matches, with your problem. Tous les problèmes sur la terre, all the problems on earth, ce sont des famines, are hungers, ce sont des faims, are hungers. Ils ont besoin seulement, all they need, d'un pain, is a bread, qui correspond à cette faim, that will match that hunger. Amen. C'est la raison pour laquelle, now this is why, le ciel, heaven,
en temps et langage. He is the language. C'est le langage de la foi. The language of faith. Le langage de la parole. The language of the word. Le ciel. Heaven. N'entend pas le langage. Does not hear the language of murmur. De soucis. Of worries. Et de lamentation. And crying. Le ciel. Heaven. Entend un seul langage. Only hears one language. La parole. Language of the word. De la foi. And the language of faith. Ce n'est pas en pleurant. It's not when you cry. Que tu vas avoir les miracles. That you receive miracles. Ce n'est pas en murmurant. It's not when you murmur. That you receive your miracle. It's not when you complain that you will receive the miracle. It's not about worrying that you will receive your miracle. But it's by discovering the word that matches your problem that you receive the miracle. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Un jour, one day, Elie. Elijah, le grand prophète, the great prophet, il venait d'opérer un grand miracle. He just operated a great miracle. Que le feu descende. Let fire come down. Et vous consume. And consume it. Le feu descendit. And fire did come là, down. Là consumait 50 militaires. And it consumed 50 militaries. Deuxièmement. Secondly. Le feu descendit. Fire came down. Là consumait encore. It consumed again. Devant le prophète de Baal. In front of the prophet of Baal. Et lui dit. Elijah said. Lord. Que l'on sache. Let it be known que tu es le seul vrai Dieu. That you are the only true God. Et que je fais cette chose. And that I have done this thing. Sur ta parole. According to your word. Le feu descend. And fire came down. Ah! Quel miracle! What a miracle! Mais le même Élie. But that same Elijah. Il reçoit une menace. He received a threat. De Jezabel. From Jezebel. Il fuit. He runs away. Il passe se cacher. And goes to hide. Dieu dit. God says. Cet homme de miracles là. This man of miracles. Il y a quelque chose qui le manque. Something is wrong with him. Il y a quelque chose qui le manque. Something is missing. Il a accompli le miracle. He accomplished miracles. Il a fait descendre le feu. He brought down fire. Mais il fuit. But he runs away. C'est une confusion. That's a confusion. C'est une contradiction. That's a contradiction. Il y a quelque chose qui le manque. Something is missing. Dieu dit, je vais traiter ce qui le manque. God said, I'm going to deal with what he's missing. Dieu envoie un ange. God sends an angel. Pour lui donner la nourriture. To give him food. Le matin, le midi et le soir. Morning, afternoon and evening. Il mange une première fois. He ate the first time. Il mange deuxième fois. He ate the second time. Et la troisième fois. And the third time. Dieu lui dit. God tells him. Lève-toi. Rise up. Mange. Eat. Il lui a pas dit, lève-toi, prie. He did not say, rise up and pray. Non. No. Il n'a pas dit, lève-toi et jeûne. He didn't say, rise up and fast. Non. No. Lève-toi. Rise up. Mange. Eat. Car le chemin. Because the road. Est très long. Is long. Ça veut dire quoi? So what does that mean? Lève-toi. Rise up. Mange. Eat. La force qu'Elie a reçue, c'est tout là. The strength that Elijah received that day. Cette nourriture là. Eat that food. Lui a donné la capacité. Gave him the capacity. De marcher pour 40 to jours. To work for 40 days. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Elie? Why did God not tell Elijah? Rise up and pray. Pourquoi Elie? Why did God? Après avoir accompli les miracles. After accomplishing the miracles. Il a fui. He ran away. Les miracles. The miracle. Ne peut pas remplacer la parole et la nourriture. If you receive the miracle, la guérison, a healing, la délivrance, a deliverance, et que tu n'as pas mangé la parole, you did not eat the word of God in you. Lorsqu'il y aura une petite menace, when you will receive a threat, tu vas fuir. You're gonna run away. Yeah. 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 C'est pourquoi. This is why. Je commence cette conférence. I begin the conference. Je vais te faire manger d'abord. You need to eat first. Yes. Quand tu vas manger, manger, manger. Because once you eat and ask, tu vas sentir ton ventre spirituel. You will feel your spiritual stomach. Être rempli. It's full. Tu vas sentir la force. You will feel the strength. Et quand tu vas bouger. And when you move, l'ennemi sera à sa place. The enemy will put his place. Il va te laisser ta place. And they will leave you your place. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi. This is why. Même les soucis de Dieu. Even God's concern. Et
que les gens mangent. It's for people to eat. Jésus dans le désert. Jesus in the wilderness. Il voit 5000 personnes. He saw 5000 people. La Bible dit. The Bible says. Ils ont faim. They are hungry. Il dit, faites-les asseoir. He said, have them be seated. Donnez-leur à manger. Feed them. Parce que s'ils ne mangent pas. Because if they do not eat. Ils n'auront pas la force. They will not have the strength. Pour continuer le chemin. To continue the road. Ouais, le chemin de la vie chrétienne là. You know the road of the Christian life. Il est long. It's a long one. Faut bien manger la parole. You need to eat the word very well. C'est chemin là qui parle de la vie chrétienne. That road of the Christian life. Il est long. It's a long road. C'est le chemin où un jour tu te réveilles le matin. It's the road you wake up one morning. Quelqu'un sort. Someone comes out. Il parle des mensonges contre toi. They talk lies about you. Et il habille les mensonges, il donne la tête, les pieds, les yeux, and la bouche. And they dress up the lie very well against you. Et puis on te met ça sur le corps, boum. And they slap it on you, boum. Et on dit que c'est toi. And they say, that's you. Si tu n'as pas mangé bien la parole. And if you did not eat the word very well. Si tu n'as pas bien mangé la parole. If you did not eat the word very well. Dit, mais ça c'est quoi ça? You're going to say, but what is this? Ça c'est quelle église? What is this church? Ça c'est quoi? Who is this? Jésus a dit, Jesus said, heureux, blessed, serez-vous, those, si tout le monde dira des forces, if everyone will have strength on their own, sur vous, on you, mais cette parole, blessed are those who receive lies against them, tu vas te perdre, now if you're not, if you do not have the word, you will be lost, dis à celui qui a côté toi, mangeons, mangeons, tell your neighbor, let's eat, let's eat, tell your neighbor, let's eat. Say, let's eat, let's eat. Alléluia. Let's eat. Quelqu'un dit amen très fort. Say amen. Amen très fort. Amen. Amen très fort. Amen. Alléluia. 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 Amen. Suivez-moi très bien. Pay attention. Je ne suis pas à l'introduction. This is only still my introduction. Je vais parler deux points seulement aujourd'hui. I'm going to just talk about two points today. Jésus dit, Jesus said, je suis le pain. I am the bread. L'homme ne vient pas seulement de pain. A man shall not live just by bread, toute parole. But of every word. Donc le pain, so bread, c'est la parole. Is the word. Mais maintenant une question. But now here's the question. Comment est-ce qu'on a le pain? How do you get the bread? Pour avoir le pain. Now to get the bread, il y a un processus. There's a process. Premier processus. First process. On doit planter. You need to plant. Le blé. Le blé. The wheat. Quand on plante le blé, once you plant the wheat, ces blés-là, that wheat, sous la terre, under the ground, doit tout d'abord mourir. It has to die first. Et quand le blé meurt, and once the seed dies, il produit encore. It will grow. Et quand il produit, once it grows, il multiplie le blé. It will multiply the wheat. Et quand on prend le blé, and when they harvest it, on va le moudre. It will be taken care pressed. Et quand on le moue, and once they press it, on va le faire passer par le four. It will be put into the fire. Et tu as le pain sur ta table. And then you get bread on your table. Et ça prend du temps. It takes time. Mais ça ne va pas changer le fait que le pain sera sur la table. But it doesn't change the fact that bread will get on your table. Amen. Je répète. Let me say that again. Ça prend du temps. It takes time. Mais ça ne va pas changer le fait que les pains seront sur ta table. But it doesn't change the fact that bread will get on your table. Amen. Je vous explique un peu ça. Let me explain that. Jésus Christ. Jesus Christ. Il a commencé comme la semence de Dieu. He began like the seed of God. Dieu l'a planté dans le ventre de Marie. God planted him in Mary's womb. Il est né. He was born. On l'a arrêté. He was arrested. On l'a pressé. He was pressed. Par la souffrance. By the suffering. On l'a tué. He was killed. Et on l'a enterré. He was buried. Après il est ressuscité. And after he rose. Et quand il est ressuscité. And when he rose. Il pouvait maintenant. He could now. Devenir invisible. Become invisible. Être partout. And be everywhere. Et communiquer la vie. And communicate life. Amen. Ça prend du temps. It took time. Quand la parole de Dieu entre en toi, when the word of God comes in you, et que tu crois en elle, and you believe in it, elle peut prendre du temps. It may take time. Il y a une parole. There is a word. Qui peut agir instantanément. That can act instantly. Mais il y a une parole. But there is a word. Qui peut prendre le temps. That can take time. Quand toi tu vois qu'il n'y a rien, when you see that there is nothing, mais la parole travaille. But the
passe le processus. It's going through the process. Ce que Dieu t'a dit. What God told you. Est déjà planté en toi. It's already planted in you. Mais la parole. Now the word. Traverse les étapes. It's going through the stages. Mais tes yeux voient rien. But your eyes see nothing. Tu ne vois rien dans ta maison. You see nothing in your house. Tu ne vois rien. You see nothing. Mais la parole. But the word. Est déjà en train de fonctionner. It's already working. Ça ne va pas empêcher que les personnes sur ta table. It's not going to stop the bread from ending up on your table. Après un moment. After the time. Tu vas remarquer. You will notice. Que ce qui a été dit. That the word that was spoken. Is what is coming to pass. C'est pourquoi la Bible dit. This is what the Bible says. Quand vous recevez la parole. When you receive the word. Recevez-la avec foi. Receive it with faith. Amen. C'est une parole prophétique. It is a prophetic word. Qui travaille dans les secrets. That goes through the process in the secret. Écoutez-moi. Listen to me. Quand vous constatez que Dieu est silencieux. When you notice that God is silent. Cela veut dire qu'il travaille trop. It means he's working hard. Pour vous. For you. Allez dans tous les bureaux des hommes sérieux. Go into the office of serious men. On va vous écrire là sur un papier. You're going to see a sign posted. Pas de dérangement. On travaille. Do not trouble. We are working. Silence. Do not disturb. Silence. Nous travaillons. We are at work. Donc, même le silence de Dieu. Even God's silence. Montre qu'il travaille. Means that he is working. Quand tu as reçu la parole. So when you receive the word. Dieu t'a donné. That God gave même you. Même si tu ne vois rien. Even if you see nothing. Et tu ne sens rien. And you don't even feel parce anything. Que Dieu travaille. Know that God is working. Amen. Amen. J'ai introduit. That's my introduction. Maintenant, je vais commencer. Now I am beginning my preaching. Alléluia. Jean chapitre 11. John chapter 11. Amen. Amen. Jean combien? John what? Vous êtes intelligent. You are intelligent. Amen. Jean chapitre combien encore? Jean 11, ok? John 11. Verset 43 à 44. Verse 43 and 44. Oh mon Dieu, hallelujah. Oh my God, hallelujah. Jean 11, 43 à 44. John 11, verse 43 and 44. And when he that had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave cloth, and his face was bound with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Clap for the word of God. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Clap your hands for the word of God. La puissance de la parole de the Dieu. The power of the word of God. Alléluia. You may be seated. Je commence maintenant à prêcher. I am beginning now with my preaching. La parole de Dieu. The word of God. A la puissance. Has the power. De ramener les choses à la vie. To bring things back to life. La parole de Dieu. The word of God. A la puissance. Has the power. De restaurer les choses. To restore things. Qui étaient détruites. That were destroyed. La parole de Dieu the word of God a la puissance has the power de traverser les barrières to break the barriers sans permission. Without any permission. Amen. Sans permission. No permission. Je vais vous montrer aujourd'hui I'm going to show you today une dimension, a dimension dans la parole de Dieu. In the word of God, si tu opères dans cette dimension, if you operate in that dimension, dangereux. You will become dangerous spirituellement. Spiritually. Lazare meurt. Lazarus died. Mais avant de mourir, but before dying, on informe à Jésus. They inform Jesus. Que ton ami. That's your friend. Écoutez bien. Listen. Bien précisé. They were precise. L'homme que tu aimes beaucoup. The one that you love. Est malade. Is sick. Donc on peut être ami de Jésus. So you can be friends with Jesus. Et avoir un problème. And have a problem. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que comme tu as reçu Jésus là. Because there's some Christians they think because they received Jesus. Tu n'auras plus de problème. They will no longer have any problems. Ni difficulté. No more difficulties. Ni combat. No more battles. Ni épreuve. No more tests. Voici l'homme que tu aimes beaucoup. This is the one that you love. He is sick. Il y a des
des gens qui pensent que comme j'aime beaucoup Jésus, some people feel because they love Jesus so much, je ne peux plus avoir des difficultés. They can no longer go to hard times or be tested. C'est même quand tu aimes trop Jésus. It's when you love Jesus the most. Que les épreuves peuvent venir à toi. That the test comes the most. Lis la Bible. Read the Bible. La Bible dit ceci. The Bible says this. Les malheurs. Evil. Attaquent souvent. Attaquent souvent. The righteous. Souvent. After, sometimes, les justes, the righteous, mais, but, oh, j'aime Dieu, I love God, l'éternel, the Lord, toujours, always delivers him. Voici celui que tu aimes beaucoup. The one that you love is sick. Je ne suis pas en train de douter. I'm not doubting. Le fait que tu es venu ici dans l'église. The fact that you came here in the church. C'est une preuve que tu aimes Jésus. It's a proof that you love Jesus. Ceux qui ne l'aiment pas, c'est moment là ici. Because those who don't love him, this time right here, ils sont dans les boîtes. They are in nightclubs. Mais toi, tu es là. But you are here. Mais malgré que tu es assis là. And you are sitting here. Tu as quand même un problème. That means you have a problem. Amen. Amen. Malgré ton amour pour Jésus. Despite your love for Jesus. Mais tu as un problème. You have a problem. Et on informe à Jésus. Now they inform Jesus. Et Monsieur Jésus. Now Mr. Jesus. N'était pas content de lui. He's not even bothered by it. La lettre là, il dit. That letter meant nothing to him. Continue à faire ses choses. He continued to do his own things. Une autre lettre arrive. Another letter comes to him. Ton ami là. That friend of yours. Est mort. He died. My God. Écoutez Jésus. Listen to Jesus. Il dit à ses disciples. He said to the disciples. Mon ami Lazare dort. My friend Lazarus is sleeping. Nous allons le réveiller. Let's go and wake him up. Ah. Oh. Les disciples regardent Jésus. The disciples looked at Jesus. How is this man? La lettre dit qu'il est mort. The letter is telling us that he died. Il dit, qu'il but he's saying that he is sleeping. Ça veut dire quoi? What does that mean? Suivez-moi très bien. Pay attention. Je parle de la puissance de la parole. I'm talking about the power of the word of God. La lettre dit qu'il est mort. The letter says that he is dead. Lui, il dit qu'il dort. But he said he is sleeping. Pourquoi il a dit qu'il dort? Why did he say he was sleeping? Parce qu'il est plus facile. Because it is easier de réveiller celui qui dort to wake up someone who is sleeping que de ressusciter un mort than to resurrect a dead. Donc Jésus voulait dire ceci. So Jesus was trying to say this. S'il est mort pour vous, if he is dead for you, pour moi c'est plus facile de le for me it's easy for me to resurrect him. Parce que la mort pour moi est comme un sommeil. Because death to me is sleep. Il a libéré le miracle. He released the miracle before the miracle happened. Il a libéré la résurrection avant la résurrection. He released the resurrection before the resurrection. Après il dit. After he says. Allons-y. Let's go. Il prend ses disciples. Now he took his disciple. Il se rend vers Bethany. They went to Bethany. Arrivé là à Bethany. When they get to Bethany. L'histoire nous la connaissons. The story we all know it. Le sœur de Lazare s'approche. Now the family member of Lazarus come. They're crying. Seigneur. Lord. Si tu étais là. If you had been here. Si tu étais là. If you had been here. Notre frère serait mort. Our brother would not be dead. Écoutez. Listen. Parlons un peu clairement. Let's talk about this. Marie et Marthe. Mary and Martha. Jésus est en face d'eux. Jesus is facing them. Écoutez leur langage. Look, listen to their language. Si tu étais là. If you had been here. Notre frère ne serait pas mort. Our brother would not have died. Bon, maintenant, à ce moment-là, il était où? So right now, where is he? Je suis là. He's here. Alive. Life. Je suis déjà là. I'm already here. Leur dit ceci. Now he's saying. Laissez les histoires de si juste et fait. Stop if you had been here. Je suis la résurrection. I am the resurrection and life. Je suis là. I am here. Vous voulez me ramener dans le passé. You are taking me in the past tense. Et pourtant je suis là. But I am here. Bon. Okay. Où est-ce que vous l'avez mis? Where did you bury him? On l'amène au tombeau. They take him to the grave. Suivez-moi très bien. Pay attention carefully. Il arrive au tombeau. He gets to the grave. Et Martha lui dit. And then Martha says. Tu veux faire quoi? What are you trying to do? Mais on a déjà enterré depuis 4 jours. This man has been buried for about 4 days
Et puis il est déjà décomposé. And it's already decomposed. Il n'y a plus à récupérer la situation. There's nothing to pick up there. Jésus dit. And Jesus says. Ôtez la pierre. Remove the stone. On enlève la pierre. Now they remove the stone. Et Jésus dit ceci. Now Jesus says this. Il n'a ni prié. He did not pray. Lisez bien la Bible. Hein? Read the Bible carefully. Parce que les chrétiens prient pour tout. Because Christians pray about everything. Ils prient pour tout. They pray for everything. Cette conférence là. This conference here. Quand ça va prendre fin. When it comes to an end. La dimension dans laquelle tu vas opérer. The dimension in which you will operate. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Ça sera une dimension impossible. It will be an impossible dimension. Amen. Lisez bien la Bible. Read the Bible. Jésus ne prie pas. Jesus did not pray. Il dit Père. He said Father. Je te loue. I praise you. Il n'a pas dit Père, je te demande. It is a prayer I am asking. Vous demandez trop. But you are asking too much. Mais il dit ceci. And now he says this. Même les peu de paroles que je viens de dire. Even these few words that I had to say. Je le dis pour que ces gens sachent aujourd'hui. I'm only saying it for these people to know que today. C'est toi qui that you are the one who sent me. Il a libéré directement la parole. He released the word. Lazare. Lazarus. Sort. Come out. Oh mon Dieu. Oh my God. Lazare. Lazarus. Sort. Come out. Jésus. Jesus. N'a même pas pris le temps. Did not even take the time. De lier l'esprit de mort. To bind the spirit of death. Il n'a même pas pris le temps de lier l'esprit de mort. He didn't take time to bind the spirit of death. Esprit de mort. A spirit of death. I bind you. Jésus entrait dans le temple. Jesus came in the temple. Il y voit. He
yeux spirituels. With the spiritual eyes. Un démon. A demon. Sur le dos. On the back. Mais Jésus. But Jesus. Ne cite ni le démon. Did not call out the demon. Ni le diable. Or the devil. Mais il regarde la femme. But he looked at the woman. Femme. He said, woman. Tu es délivré. You are delivered. De of the fact that you're no longer there. Sans leur permission. Without their permission. Ni autorisation. Or authorization. Ça veut dire qu'il s'est passé. Do you know what happened? Quand Jésus dit Lazare sort. When Jesus said Lazarus come out. Il y avait une partie de la peau de Lazare. There was a part of the skin of Lazarus. Qui était déjà pourri. That was already rotten. Tombé déjà par terre. That skin was already had already fallen off. L'esprit lui-même de Lazare. Now Lazarus' spirit itself. Était déjà parti. Was already gone. Son âme. His soul. Parti. Was already gone. Quand Jésus dit Lazare, but when Jesus said Lazarus come out, vous savez ce qui s'est passé? Do you know what happened? Cette parole-là de Dieu, that word of Jesus, a suivi l'esprit de Lazare. Follow the spirit of Lazarus. Hey. What are you doing here? Tu n'as pas entendu là. Did you not hear that voice? On t'a appelé. They're calling you. Vas-y là. Go back. Et l'esprit a dit. And the spirit said, they're coming. L'esprit est sorti. Oh. Il est allé dans le. He ran back in the body of Lazarus. La même parole. The same word. Il est allé à là. Went to the soul. Ah. So, did you not hear his voice? They're calling for you. The son said, I was called. You didn't hear the voice? So, oh, they're calling you. And the son ran. Went back into the body. The same way. Lazarus come out. Went to the skin that had fallen off. Rotten. And the word said, you right here. Vous êtes pourri comment? You already have your body. He came out quickly. Non, je veux dire en bloc. In block. Ya mubimba mupiku. Na mubimba mupiku. Hallelujah. Hallelujah. Écoute.
entier. He came out all in one piece. Hey, lisez bien la Bible. Read the Bible carefully. Il était bandé. He was bound. Au pied. Tied in his leg. Et aux mains. And his hands. Mais. But. Ça veut dire quoi? What does that mean? Pour quitter la tombe. To leave there. Et sortir dehors. And come out. Il n'a pas marché. He was not walking. Il n'a pas marché. He was not walking. Parce que le pied. Because his legs. Était bandé. Were tied. C'est-à-dire. So it means. Soit. Either. Il sautait. He was jumping. Il n'a pas marché. He could not walk. Parce que le pied était bandé. Because his legs were tied up. Oh, s'il était bandé. But if he was tied up, il sautait. He had to be jumping. Il sautait. Jumping. Ou soit. Or. La parole. The word. Qui était sorti. That had come forth. You're gonna jump. There are things that will jump. You will jump and speed and speed and speed. Because Dieu. Because God. Le Dieu. God. Qui est la parole. Who is the word? La parole puissante. The powerful word. Il le fera pour toi. He will do it for you. Je maudis toute maladie dans ton corps. I'm going to shut up your body in the name of Jesus. Je maudis toute maladie dans ton corps. I'm going to shut up your body in the name of Jesus. Si c'est la maladie dans les sangs. Say, even in your blood. Sur la peau. La maladie des os. The sickness in your bones. Le cœur. In your heart. Ou les poumons. Or your lungs. Je libère la parole ce soir. I release the word tonight. Que cette maladie là meure au nom de Jésus. Die in the name of Jesus. Que la maladie meure au nom de Jésus. Die in the name of Jesus. Que la maladie meure au nom de Jésus. Die in the name of Jesus. Sois guéri au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je t'informe. I'm informing you. À partir d'aujourd'hui. From today. Oublie l'histoire qu'on va te bloquer. Forget about your block. On ne bloque pas la parole. You cannot block the word. Parce qu'elle-même elle est esprit. Because the word is like a spirit and life. En sortant d'ici ce soir. Coming out of here tonight. Sache-le très bien. Know this very well. Aucun esprit. No spirit. Ni démon. Or demon of death. Ni d'envoûtement. Or bewitching. Ni d'oppression. Or oppression. Ni l'esprit de malédiction. No spirit of curse. Ne peut plus te bloquer. No longer block you. Sache que tu es libéré au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève-toi, lève-toi main. Stand up and raise your hands. Le premier jour, rentrer d'introduire les autres. This is the first day. We're just introducing. Let's save the best for last. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Stand up. Bon. Lève-toi d'abord. Vous voulez. Stand up. Stand up. We're waiting on you. Vous voulez. Stand up. Tu as des problèmes? You have problems? Avec l'esprit des ancêtres? With the spirit of ancestors? Tu as des problèmes? You have problems? Avec les malédictions des parents? With the curse of your parents from generations? Hein? Alors on t'a dit quoi? What did they tell you? Parce qu'il y a des gens. Because you know there are some people. Ici le prophète Maxin. Prophet Maxin. Enseigne autre chose. When Prophet Maxin teach something. Quand ils sont dehors. When they go outside. Il va ramasser aussi un enseignement. They go pick up another teaching. Et quand il vient, and when they come back, commence à citer le nom des démons. They begin to call out demons' names. Tu ne sauras pas citer tous les noms des démons. You won't be able to call out all the demons. Elle-même, le diable lui-même est un menteur. Because the devil himself is a liar. Yes. C'est pourquoi. Hein? This is why. Occupe-toi de ce que tu veux. Just take care of what you want. Un point entre. And that's it. Tu veux quoi? What do you want? La bénédiction. A blessing. Tu veux quoi? What do you want? La guérison. A healing. Tu veux quoi? What do you want? La délivrance. La deliverance. Mais ça c'est la honte. Mais ça c'est la honte. Praise God!
or any part of your body. Prends ta main droite, pose-la sur n'importe quelle partie de ton corps. Your right hand, place it on any part of your body. Crois-tu à la parole que tu as entendue ce soir? Do you believe in the word that you heard tonight? Yeah. Crois-tu que la parole de Dieu est puissante? Do you believe that the word of God is powerful? Yes. Crois-tu que la parole de Dieu n'a pas besoin de demander la permission des démons? Do you believe that the word of God does not require the permission of demons? Yes. Ni des sorciers? Or your sorcerers? Yes. Crois-tu que la parole de Dieu n'a pas besoin de demander la permission des liens? Do you believe that it does not require the permission of bondages? Alors déclare très fort. So declare loudly. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je suis libéré. Take it. Reçois-le. Take it. Reçois-le. Take it in Jesus. Reçois-le au nom de Jésus. Take it. Reçois-le. Take it in Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois. Take it. Reçois. Take it. Reçois. Take it in Jesus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Take it. Reçois. Take it in Jesus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. You say to speak, Lord, it's spoken. If you say to go, Lord, I'm going. Just let me hear your voice, God, and I'll listen. Yes, I'll listen, listen. Just keep me in position to hear you. I won't ask a question, I'll just do. Just let me hear your voice, God, and I'll listen. Come on now, help me say, if you say the moon, say the moon, and however you tell me to do it, God, I have to. You tell me to, Lord, all I need is a command from you. And I'll follow. I won't stray away, God. All I need is to hear your words, God.